Le stade Louis II, transformé en terrain de rugby. Après une première période de préparation à Marcoussis, le 15 de France a pris ses quartiers en principauté de Monaco. 12 tonnes de matériel ont été déplacées pour préparer le mondial qui se déroulera au mois de septembre au Japon. Mais alors, pourquoi avoir choisi le sud de la France? Tout d'abord, c'est la température. On cherchait à travailler, on va dire, en hyperthermie, donc sous la chaleur. Parce qu'il nous paraît important de s'habituer à ces conditions-là. Peut-être qu'il ne fera pas des chaleurs extrêmes au Japon, mais il risque de faire chaud, mais surtout il y a de l'humidité. Donc voilà, ça nous paraissait important de se préparer, de travailler dans ces conditions-là. Depuis jeudi, 37 joueurs, dont 6 réservistes, s'entraînent plusieurs fois par jour sur la pelouse du stade monégasque. Entraînement physique, mais surtout répétition de phases de jeu. C'est juste de faire du travail analytique. Qui est en rapport avec la séance que l'on a faite ce matin, et où ça peut être un travail de la même façon analytique par rapport à une séance que l'on fera le lendemain ou le surlendemain. Donc déjà de préparer une séance en ayant des repères forts. Ouais. Un entraînement que tous les amoureux du ballon ovale pourront suivre lundi. Pour cela, vous devez retirer les invitations au guichet du stade tout ce week-end.